Salut tout le monde, c'est Toti. Aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour une vidéo qui est assez spéciale, étant donné que là, je vais pas faire une vidéo sur un jeu. Je vais faire une vidéo sur comment gagner des skins gratuits sur CSGO. Oui, c'est possible de gagner des skins gratuitement sur CSGO. Il faut pas sans mettre un seul centime dans le jeu. C'est assez simple, enfin, il faut énormément de patience et faut vouloir faire des games, tout simplement. Vous allez comprendre ça par la suite. Vous allez sur le site PvP Pro. Pour un com qui est juste ici. Vous arrivez sur ce site qui est plutôt joli. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Attendez, je vais juste me déconnecter pour que vous compreniez comment faire. Voilà. Vous arrivez sur ce site. Vous allez mettre Sign in Register. Ensuite, vous allez mettre Create PvP Pro Account. Donc, en gros, vous allez créer votre compte PvP Pro. Vous mettez votre pseudo, votre password deux fois, votre email deux fois. Ensuite, vous allez cocher les trois cases ici. Vous allez décocher celle-là. Un conseil, c'est pour avoir des updates, machin. Enfin, c'est pas ce qu'on recherche. Oui, ici, c'est pour vérifier si on a bien 18 ans ou plus. Demandez l'autorisation à vos parents parce que j'ai pas envie d'avoir de problème si vous avez en dessous de 18 ans. De toute façon, il n'y a aucun souci sur ce site, il n'y a pas de souci à avoir. Ensuite, ici vous allez avoir un code affiliate. Alors, c'est pour pas commencer direct avec 0 coins. En fait, je vais mettre un code dans la description si j'arrive comment faire. Et en fait, dès que vous allez mettre ce code, vous allez gagner direct 100 coins. Ou alors au moins, enfin, je sais plus c'est quoi encore. C'est pour directement gagner des coins. Voilà. Ensuite, vous mettez Register Pro. Vous n'êtes pas obligé hein, de mettre le code. Hein. Moi, je l'ai fait sans. Vous mettez Register PvP Pro. Voilà. Ça vous enregistrez. Ensuite, vous allez retourner là-dessus. Ils vont vous demander une confirmation sur votre email. Donc, vous allez sur votre email, vous confirmez via le petit truc bleu qu'il y avait. Moi, personnellement, je vais me connecter via Steam. Vous pouvez également vous connecter via Steam. Ça peut être plus simple pour vous. Voilà. Donc moi c'est déjà mis mais vous connectez. Tac. Moi, je vais mettre me connecter. Oui donc comme vous voyez ici j'ai déjà 12 coins parce que enfin déjà non seulement parce que j'ai commencé ce matin donc voilà j'ai pas beaucoup de coins. Alors avant de commencer toute chose vous allez aller sur votre profil dans My Profile dans ici Account. Vous allez tout en bas et là mettez votre trade URL. Je vais vous montrer comment l'avoir pour ceux qui ne savent pas. Vous allez sur votre Steam, dans Toa Team, enfin non, pas Toa Team, mais votre pseudo. Vous allez dans votre inventaire. Ensuite, vous aurez ici offre d'échange. Vous appuyez sur offre d'échange. Vous avez à droite, là, tout en bas, vous avez qui peut m'envoyer des offres. Cliquez dessus. Mince, j'ai pas cliqué. Voilà. Ensuite, vous allez tout en bas et vous aurez une URL qui est juste là. Vous la copiez et ensuite, vous la collez juste ici. Ensuite, vous mettez Save Change. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, donc c'est là que ça va commencer. Vous allez dans Games. Et là, c'est très très simple. Vous avez différents modes. Le 1v1, le 2v2, 3v3, 5v5. Et ici, en fait, vous avez à chaque fois deux trucs, même des fois trois. Vous avez le premier, en fait, c'est vous entrez gratuitement dans une game en 1v1. Et si vous gagnez le 1v1, vous gagnez deux coins. Et en fait... Donc là, ça met le nombre de personnes qui est dans la file d'attente. Et en fait, ici, vous avez le deuxième truc où là, vous payez 55 coins. Et si vous gagnez, vous gagnez 100 coins, ce qui est énorme. Par contre, si vous perdez, là, vous perdez vos 55 coins, vous ne gagnez rien du tout. Donc là, comme ça, 1v1, vous me dites join solo. C'est le même principe pour tous les autres. Join solo machin. Et si vous êtes en team, vous pouvez faire un 2v2 si vous êtes avec un pote. Ou pareil, 3v3 si vous êtes avec 3 potes. Vous allez tout simplement dans vous allez dans votre compte, vous allez dans My Team. Ensuite, vous mettez Create Team. Et ensuite, là, vous créez votre team. Vous mettez le nom, vous choisissez un fichier pour l'avatar. Et ensuite, vous mettez l'username de vos amis. Et vous les demandez, ils vont accepter l'invitation, vous aurez une team. Ensuite, une fois que c'est fait, donc vous avez machin, vous mettez Join Team. Et là, vous mettez le nom de votre team. Non, 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 pardon. Vous allez dans Choose PvP Pro Team. Et là, vous allez avoir votre team que vous avez créé qui va apparaître. Moi, j'en ai pas. C'est pour ça que, y a rien. Ensuite, vous appuyez dessus et vous mettez Invite parce que ça va demander une autorisation à vos potes. Enfin, vous allez leur envoyer en tout cas une demande.
Voilà, ensuite ils vont accepter, vous serez dans votre game. Rien de plus compliqué. Ensuite, une fois que vous avez plein de coins, déjà il y a aussi, j'ai oublié de dire, il y a des giveaways qui sont gratuits. En fait, vous les rejoignez gratuitement et vous avez le temps imparti, vous voyez le temps. Et en gros, celui-ci, c'est dans 2h24 minutes. Je peux le rejoindre. Et il y a plein de gens qui sont sélectionnés. Enfin non, il y a plein de gens qui s'inscrivent. Il y a une personne qui gagne le truc. En tout cas, c'est hyper rare quand vous gagnez. Mais bon, ça peut toujours arriver si vous êtes hyper chanceux. Voilà. Donc quand vous avez vos coins, vous allez dans Store. Et là, vous avez toutes des armes. Là, vous avez, vous pouvez choisir les catégories, machin. Les clés, les couteaux, etc. Et là, vous avez toutes les armes. Ça, je sais pas c'est quoi. Ouais, ça, c'est pour les prix, si c'est des prix chers, machin. Voilà, vous avez tous les skins. Et en fait, plus vous descendez, et plus c'est rentable, je pense. Enfin, je dis ça comme ça. Je sais pas si c'est bon. Par exemple, je vais essayer de trouver... Truc cool. Ok, il n'y a rien, il n'y a rien de bien. Ah, voilà. Donc là, vous avez Asimov Battle Scaled avec des stickers. Parce que ce sont des gens qui mettent leurs armes. Donc voilà, 22 974 coins. En même temps, c'est normal qu'il faut énormément de coins, vu que l'arme coûte 21 euros, je pense. Ce qui est quand même assez énorme. Je vais essayer de trouver un couteau. Voilà, là, il y a un couteau. Un gut knife, well-worn, enfin, marqué par les combats. Qui est, ou alors c'est usé, je sais pas. 24 444 coins, ce qui est énorme, mais en même temps le couteau vaut dans les 50 voire 60 euros. Donc c'est quand même assez rentable pour vous si vous avez tryhard le site. Donc voilà. Sinon, à part ça, je n'ai plus rien d'autre à dire. J'espère en tout cas que le tuto vous aura aidé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait quand même plaisir. Et abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus. Bye!